Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire le point sur la Mercy Rule dont on avait déjà évoqué le sujet lors de précédentes vidéos. Donc récemment sur le site officiel de Bungie, on a eu quelques précisions à ce sujet. Donc il faut savoir que ce Mercy Rule, c'est tout simplement une nouvelle façon d'appréhender les matchs PVP dans le mode épreuve avec quelques petits changements au programme. Donc le changement majeur, c'est tout simplement que les matchs seront écourtés lorsqu'un écart est beaucoup trop important entre les deux équipes au niveau du score final. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique actuellement, on constate que 63% des matchs se terminent plutôt bien avec moins de 6000 points de différence entre les deux équipes, ce qui est un assez bon résultat, mais en revanche on peut constater que 12% des matchs se terminent avec plus de 10 000 points d'écart, ce qui est un résultat assez médiocre. Donc ces statistiques témoignent de deux choses. La première est qu'il y a un certain déséquilibre parfois dans le matchmaking et le but étant bien évidemment de remédier à tout ça. Et la deuxième chose, c'est que cela va permettre de réduire au passage le nombre de joueurs qui rejoignent des parties en cours. Donc lorsque cette règle s'activera, vous aurez tout simplement un décompte qui sera annoncé par nul autre que Lord Shax et qui mettra fin automatiquement à votre partie au bout de 10 secondes. Donc lorsque vous avez ce décompte qui s'affiche à votre écran, cela signifie tout simplement que le déséquilibre est bien trop important entre les deux équipes et que le match ne sera pas continué jusqu'au bout. Alors il faut savoir que les récompenses seront tout de même attribuées puisque l'écran de matchmaking final ainsi que ces mêmes récompenses apparaîtront à la fin des 10 secondes de décompte. À cette occasion, il y a même, il faut le savoir, une nouvelle médaille qui a fait son apparition et qui sera attribuée aux gardiens qui bénéficieront d'une victoire par le biais de cette nouvelle règle. Voilà, c'est tout pour les infos que je possède actuellement. Il faut savoir que ces changements prendront effet à partir du 8 septembre prochain, date d'activation officielle du patch 2.0. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à laisser un petit like sur cette vidéo si ces infos vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur du Destiny. Ciao tout le monde !